Voilà, alors équipement. Voilà. Ici au cas où. On a aussi les détecteurs, si jamais on est enseveli, pour pouvoir chercher où être trouvé. Voilà. Voilà, la journée vient de commencer. Et on est parti pour une journée avec guide de randonnée. Là, on arrive au pied d'une avalanche. Ça s'appelle le Petit Mont Blanc. Cette montagne là, c'est le Petit Mont Blanc. Tout ça, c'est du plâtre en fait. C'est que du gypse. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le Petit Mont Blanc. Il n'y a pas de neige éternelle, il y a 2007. Voilà, c'est vraiment superbe. On approche maintenant du village du Puy, je pense. Le long, ici à côté, un super ruisseau. Voilà, Pierrot, dis-nous où on est ici. Là, on arrive au village des Prioux, donc c'est un ancien village de bergers, des bergeries qui sont maintenant certaines résidences secondaires. Il y a deux petites auberges charmantes où on peut manger en amoureux au feu de bois, aux chandelles. Et un fait refuge si on a trop picolé, comme ça, on peut dormir sur place. L'été, c'est bien, mais l'hiver, c'est tout fermé. Ah, l'hiver, il n'y a personne. Non. C'est fermé. Il y a des centaines de vaches en été dans ces alpages. Attends, donc ils cuisent leur fromage ici, oui, et puis ils descendent ou... Après ils le descendent, oui, c'est une cave d'affinage, mais après ils leur descendent au village. Et comme c'est un sentier découvert, ils ont mis des grosses meules de Beaufort, tu vois, pour parler justement de la fabrication et de la vie des alpages. Mais donc eux, ils viennent ici en hiver? Jamais. Jamais, ils font pas de fromage en hiver. Ils font ici en hiver. Ah ok. Ah oui, je vois les meules en forme de fromage là. L'alpagiste, il a le droit de faire son Beaufort de 3 mois d'été. Pas plus. Okay. Et l'affinage, combien de temps? L'affinage, c'est minimum 6 mois, je crois 5 mois. On est 4, et là, encore une heure de marche avant d'arriver au relais. Au refuge. Ouais. C'est super, hein, comme paysage. Oui, magnifique. Waouh. C'est encore tout à fait autre chose, hein. Oui, superbe. Ouais. C'est d'une beauté. Voilà, on est à environ 2000 mètres, on arrive au refuge où on va manger. Le paysage est waouh. Voilà le refuge du Roc de la Pêche. Voilà, on a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du vent, bien entendu, voilà, on peut le dire. Là, on est en train de se tester. Si jamais on est enseveli par une avalanche et que par chance on n'est pas tous ensemble, voilà. Chacun de nous porte une pelle et des tiges pour pouvoir sonder et essayer de sauver celui qui aurait eu le malheur d'être enseveli. Bah, à souhaiter que ce soit un homme. C'est le seul qui n'a pas de pelle ni de machin. Alors, tu vas aller nous rechercher. Mais elle a une sonde. Mais avec la sonde, quand tu es sous la glace, tu la pointes vers le haut. Comme ça, on voit la sonde qui sort. Ah, un peu comme un parachute. Un peu comme un parachute.
prendre les pieds au moins. Donc on va s'espacer, on va laisser une dizaine de mètres au moins entre nous. S'il y a plus, c'est que mieux. Et puis on surveille en haut. Et si des fois il y a un indice, quelque chose qui démarre, on n'a pas des grosses coulées hein, parce qu'il y a peu de pente, c'est très court. Waouh, c'est waouh! Bah ouais, je suis. Et le problème, c'est qu'ici, bon, comme j'ai la caméra, on va faire un autre truc. Wouh! Des chamois qui jouent ensemble. Et donc, avec la GoPro, on voit rien, mais avec les jumelles, les appareils photo, etc., on parvient à les voir. Super, hein? On n'avait pas de lui. On est sur les arbres là. Pas beaucoup ça. Derrière moi, une trace d'avalanche. C'est pour ça qu'on est très espacé. Éviter le risque que tout le monde soit enseveli ou de provoquer l'avalanche par notre propre poids. Qu'est-ce que ça glisse ? Hop ! Donc, Pierrot, après cette super balade, on est où là ? Je suis perdu. Ah, tu es perdu? Là, je suis complètement perdu. Tu veux que je sorte mon GPS? Je suis au bout de ma vie. Je suis perdu. Je ne sais pas dans quel sens faut aller. À mon avis, il faut aller par là. On m'a toujours dit qu'il fallait suivre le bleu. Je vois du bleu en haut. Et donc là, derrière nous, des traces d'avalanche, quoi. Ah ben là, on est pile ou faux pas. On est entre deux. On est entre deux. Ah oui! C'est là grosse. Et derrière, quoi. Donc ouais, ici, on est pris en sandwich. Ouais. Là, on est vraiment en burger, tu vois. Ah oui, ok. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait arrêter. Oui, ouais, c'est bien. Pense, gros frisson. C'est bien, gros frisson. Wouh! Eh bien, Pierrot, oui. Merci, fin de la balade. Heureuse. Superbe. Une journée entière. J'espère qu'on aura l'occasion. À refaire au mieux, ça sera dur.